Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je tiens tout d'abord à vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2017. La santé, le travail, l'argent, la réussite, tout ce que vous voulez cette année, ce sera possible. En tout cas, je l'espère pour vous et pour moi. Ensuite, je voulais vous présenter lors de cette vidéo mon setup 2017. Je n'ai pas fait 2016, c'est vrai, je vous l'accorde. Vous montrer un peu mon matériel, mon tosma, comme on dirait, dans le métier, avec lesquels je recorde, j'enregistre, je fais mes petites choses par-ci par-là. Mais tout d'abord, jingle. Sans plus attendre avec qu'est-ce qu'on peut commencer? La vidéo avec laquelle je recorde. Donc c'est une caméra style un peu GoPro on va dire, qui filme en HD 720, pas full HD, lui 720, ce qui me convient très bien, avec le petit pied tripode qui peut se fixer un peu partout, donc c'est pas mal du tout. J'ai aussi, si on peut voir là, hop, un trépied, ce qui est le plus basique. Mais c'est vrai qu'il est pas mal celui-là. C'est assez solide et il se range assez facilement. Ensuite, j'ai acquis récemment un micro, donc c'est un Altron UM240. Je pense que c'est un micro semi-pro qu'on peut trouver dans des studios pour faire des interviews. Donc j'espère que le son sera de qualité maintenant dans mes vidéos. Donc après j'ai juste un pied micro. Donc ça sera amplement suffisant pour le début. Donc à savoir que moi je joue principalement sur Xbox One. Donc j'ai pas de manette, pardon, à palette. Ni de manette Beurre, ni autre marque de pro gamer. Donc juste une manette sans fil. Pour ce qui est de mon casque, moi, donc j'utilise un Turtle Beach. Donc je pense qu'on peut le trouver dans n'importe quoi, n'importe quel commerce. Qui se relie directement sur la manette. Le seul bémol en fait que je trouve un peu, c'est qu'il faut absolument avoir ce petit adaptateur à brancher sur la manette pour pouvoir justement mettre le casque qui n'a qu'une seule prise jack, pardon. Et donc c'est un peu dommage. Bon, le son est sympa, le micro marche plutôt pas mal. Au niveau des écouteurs, c'est ça va, ça se garde en tête. Ouais, ça rend pas mal. Bon, moi je porte toujours des bonnets, des casquettes, donc forcément c'est un peu plus compliqué, mais ça c'est pas grave. Ensuite, bon, j'ai une deuxième manette filaire avec un espèce de système de palette. Je sais pas si on peut bien le voir. Donc c'est des boutons qui sont programmables. Bon, après j'ai un peu de mal vu que c'est pas une officielle au niveau des joysticks, c'est vrai que c'est pas terrible terrible. Qu'est-ce que je peux vous présenter encore? Je vais vous présenter. Bon, je peux peut-être pas prendre ma webcam, je peux peut-être prendre ma webcam. On va voir, on va le prendre ensemble. Donc là, c'est mon ordinateur basique. Et la petite enceinte JBL qui fait plaisir, qui est toujours sympa. Ça m'a fait de très, très bonne qualité. Petite enceinte, mais vraiment bon, pour les petits personnages qui sont par-ci par-là. Voici qui a été électronique, des piles. Bon, une souris sans fil Logitech avec le petit tapis QPad qui fait plaisir. Là, on a le clavier Razer. Pareil, qui est bon. Bon, Razer, c'est une bonne marque, donc je vais pas
de réels soucis avec. Et le casque que j'utilise, donc le casque sur ordinateur, c'est un IceMan Siberia avec le micro qui est rétractable, qu'on peut voir ici. Et après, j'ai un kit de points Logitech classique qui a un son qui est plutôt pas mal. Le petit plus, c'est le petit boîtier qui est ici où on peut brancher directement son casque. Bon, toujours un petite figurine qui sont ici. Et là, si vous voulez, on peut faire un petit coucou à Marcus. Salut Marcus. Salut les amis. Voilà. Enfin, le petit tour du propriétaire. Je vais essayer de bien remettre la caméra. Histoire que je sois plus ou moins vu dans l'intégralité. Très bien, impeccable. Donc je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous présenter. J'ai pas grand chose. Ah si, j'ai oublié. Très important. Pour record mes gameplays, j'utilise un AVerMedia qui est ici. Je vais retirer ma petite caméra. Donc j'ai un AVerMedia. Attention à Batman. Donc le AVerMedia. Donc c'est le Game Capture HD2. Donc bien sûr qui enregistre en HD. Hop. Ok, possible de mettre un disque dur interne ou via clé USB. Facile d'utilisation, c'est vraiment un très bon produit. Je pense qu'AVerMedia c'est le meilleur produit pour justement record vos gameplay. Donc il s'utilise sur PS4, Xbox One, Wii U et tout ce que vous voulez, je pense. Voilà, on voit, il y a mes skates, il y a un peu mon bordel un peu partout. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui va se passer en 2017 sur ma chaîne? On va essayer de continuer des petits gameplays par-ci par-là. Des petits unboxings, Woodbox, Zbox et tout ce qui s'ensuit. Vous peut-être vous présenter des nouveaux jeux, du nouveau matériel. Faire des vlogs. J'aime pas trop ce mot vlog parce que je préfère dire vlog, mais bon, ça ne se dit pas. Et en tout cas, j'espère gagner en abonnés, gagner en vues. J'aimerais bien partager un peu ma passion et tout, donc c'est important de gagner en vue sur la toile, on peut dire ça comme ça. Dans tous les cas, moi je suis très content d'avoir fait cette vidéo, d'avoir montré un peu mon endroit où je travaille, où je crée des vidéos, où je joue, où je m'amuse. En tout cas, encore une fois, je vous souhaite une très bonne année 2017. Et moi, je vous dis très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer un des cadeaux de Noël que j'ai pu avoir en timelapse. Sûrement d'autres timelapses ou alors des vidéos spécifiques à ce que j'ai pu avoir à Noël ou autre. En tous les cas, moi, je vous dis très bonne semaine et à très bientôt. Portez-vous bien. Tchuss!